Démontrer des mensonges, des foutaises, y'a plus personne d'honnête. On joue la game, on veut juste bien paraître. Mais avec moi, il faut faire mieux parce que je vois clair dans ton petit jeu. Bullshit. Bullshit. Bonjour, mon nom est Olivier Martineau et bienvenue à Bullshit. C'est correct de bullshitter, tout le monde le fait. Mais pourquoi on bullshit? C'est souvent pour obtenir quelque chose que l'on veut ou encore dont on a besoin. Mais est-ce qu'on peut bullshitter sur tout? Par exemple, est-ce qu'on peut changer la douleur en bullshitant? Et si oui, de quelle manière les dentistes s'y prennent-ils? Monsieur Martineau, c'est à votre tour. Allons voir. Bonjour, Monsieur Martineau. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est là pour? Et j'ai mal à la dent, dans le fond. D'accord, regardez ça. Je vois que vous avez peur des aiguilles. Non, non, j'ai une phobie des aiguilles. À quel point? Au point que je fais pas le sapin de Noël chez nous. Oh! Bon! On ouvre la bouche. Ah! Ah non, je vous ai pas encore piqué, monsieur, là, c'est juste mon petit miroir. Je le sais, je me pratiquais à souffrir. Ouais, c'est une carie, va falloir geler la région. Mais faites-vous-en pas, je suis le meilleur pour faire des piqûres, j'ai jamais fait de mal à personne. Bullshit, c'est sûr qu'il dit ça pour me détendre, qu'il est le meilleur pour faire des piqûres, que j'ai jamais fait de mal à personne, mais moi, j'ai mes doutes. On ouvre la bouche. Ah! C'est juste un coton-tige, c'est pour geler la gencive. Oh. Vous allez voir, ça fera pas mal. Ça fera pas mal. Bullshit. Ça, c'est parce qu'il met le seuil de douleur très bas. Alors qu'on sait très bien que le seuil de douleur réel est ici. Ça fera pas mal, ça va piquer un petit peu normal. Ah, on ouvre grand. Quoi? Non, l'aiguille est pas assez longue, puis il faut vraiment que j'aille dans le fond. Au fond? Coudonc, passez-vous par le coccyx pour me geler? C'est juste pour geler la région. Là. C'est quoi cette aiguille-là? On en aurait assez pour geler la région des Appalaches au complet. Détendez-vous, là. Ça se peut que ça pince un tout petit peu, là. Ça, là, pincez un petit peu, ça veut dire que si j'envoie la seringue dans la bouche, je ferai des marques dedans dans le choc, mes dents en bas. Non, là, je suis vraiment pas allé assez profond, là. Va falloir que je force un peu, là, OK? Prenez une grande respiration. Bullshit! Ça vous prenez une grande respiration, ça veut vraiment dire que la douleur est tellement intense que les genoux vont plier vers l'arrière. Je vais être capable de longtemps donner des coups de pied dans les chenol. Là, M. Martineau, là, ça risque de faire mal un petit peu, là. Ça risque de faire mal un petit peu. Ça, tu vas l'entendre. Y a-t-il trop tard où les filles du rang? Détendez-vous, là. Détendez-vous? Bullshit! Ça, ça veut dire que tu vas tellement forcer pour résister à la douleur que tu seras facilement capable de casser des noix de coco en tes deux fesses! Est-ce que vous sentez encore votre dent qui fait mal, là? Oui! Bon, ouvrez grand, là. Là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal? Je l'avais jamais entendu, celle-là! Ah! Non! Ah! Là, c'est gelé. Ah! Êtes-vous prêt? Comment êtes-vous prêt? C'est quoi, cette aiguille-là? C'est pour vous geler. Mais vous venez de me geler! Non, non, je vous ai gelé la zone parce que je savais que vous aviez peur des aiguilles. Ça n'a pas changé, vous savez. Détendez-vous, là, là, je vais geler là-dedans, là, fait que ça risque d'être un petit peu inconfortable. Non, inconfortable, c'est quand on gâche un sofa dans un cactus. Ça, si vous pensez que vous vous manquez votre coup, vous allez me geler moins, lâchez, puis plongez. En conclusion, pour éviter la douleur, brossez-vous les dents, brossez-vous la soie dentaire, puis mangez plus jamais rien. Puis ça, c'est pas de la bullshit.